Je vous propose de faire de la pâte à brioche. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire de la pâte à brioche. Donc il vous faut 350 g de farine pour brioche, 175 ml de lait, 2 sachets de levure, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de sucre, un œuf et 100 g de beurre. Donc, dans un saladier, mélangez à la farine la levure, le sel et le sucre. Donc vous les mélangez. Mettre le lait petit à petit. Alors vous en avez à peu près pour 6 minutes de pétrissage pour avoir quelque chose de correct. Donc là, je vais mettre le lait. Après, je vais rajouter le beurre et l'œuf. Donc là, vous avez mis tout le lait. Ça vous fait une pâte qui fait des gros morceaux. Vous allez rajouter l'œuf et le beurre. Donc, le beurre et l'œuf. Et vous êtes reparti pour pétrir. Après 4 à 5 minutes de pétrissage, vous obtenez un pâton qui va pousser pendant 15 à 20 minutes sous un torchon. Vous pouvez, si vous trouvez la pâte un peu trop humide, rajouter une dizaine de grammes de farine, mais pas plus. Voilà. Voilà ma boule de pâte à brioche levée et prête à être partagée et mise dans un plat. Bon appétit !